Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va tester un jeu qui est sorti le 31 mars 2022 sur Steam au prix de 19€. Il s'agit de Midnight Ghost Hunt, un jeu développé par Volsky Games, qui est leur premier jeu de développement, et édité par Coffee Stain Publishing. Eux par contre ils ont fait tout ce qui va être Rock, Valheim et tout ça, tout, et Satisfactory aussi, très connu. Donc des jeux qui ont eu leur moment de gloire sur Steam. Là il s'agit d'un jeu, Midnight Ghost Hunt, où on va être 4 contre 4. 4 fantômes contre 4 chasseurs, où pendant 5 minutes les fantômes vont devoir se cacher dans des objets sur la map, et nous les chasseurs on va devoir les trouver, les détruire, les aspirer, tout ça. Voilà, il y a plein de trucs à débloquer avec de l'argent virtuel qu'on gagne très rapidement dans le jeu. On va avoir tout un système de skins à débloquer. Donc là, et voilà, donc en une partie on peut se faire 1000 d'argent virtuel, tout ça. Mais bon, voilà, on va pas s'attarder là-dessus, il y a pas mal de trucs à débloquer, des spécificités, des armes et tout, mais on en reviendra à ça plus tard. Donc, moi je vais rejoindre une partie, je vais lancer la recherche, moi je préfère rechercher. Je sais pas si on peut voir s'ils sont dans le Wedding for Player là, on va prendre cela. On va rejoindre, donc alors je parle, où je fais la vidéo, donc le 5 avril 2022, on est à peu près 4400 joueurs simultanément connectés. Donc c'est pas trop mal, il suffirait juste qu'un gros streamer passe par là et puis comme ça puis tu peux compter, parce que ce jeu vaut vraiment son prix, 9,99€. Voilà, je suis pas sponsorisé, mais bon, vraiment, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de bon jeu qui était sorti. Alors là, la game va se lancer. Il y a plusieurs maps, plusieurs armes. Les armes, il y a plusieurs spécificités, plusieurs options à choisir en tant que fantôme ou chasseur. Va nous permettre de tracer par exemple l'ennemi, tout ça. Donc vous allez voir, c'est assez prenant, et en plus si la feuille de route est intéressante, il risque d'y avoir beaucoup de mises à jour, beaucoup de contenu à ajouter à l'avenir. Moi je pense qu'il va prendre une tournure comme un genre. Voilà, donc là je vais commencer, j'ai 1 minute 20 pour choisir mes options et me cacher. Je suis en fantôme, donc moi vous voyez, j'ai débloqué ça, ça va me permettre de prendre un objet et de tuer le ghost. Ça c'est une fois que je suis mort, en fait quand on est détruit en tant que fantôme, on est encore là, on peut un peu déranger les chasseurs. Genre moi j'ai débloqué ce que celui-là, vous avez un peu les freeze. Et ça, je sais pas trop ce que c'est exactement, ça a des options, des spécificités qu'on peut avoir. Enfin, mais j'ai pas trop des... Je vais vous montrer plus le jeu. Donc là je suis en fantôme, donc on peut parler en équipe. Dans le jeu entier, mais bon, moi je vais me prendre. Voilà. Vous voyez, je me suis mis en ballon, et dans 36 secondes en fait. Mauvaise idée. Hello. Donc, Yellow, on pourrait se dire, ouais, je vais me mettre dans un coin, je vais pas bouger, mais en fait, non, en fait, vous allez voir qu'il y a une barre. Une barre qui augmente, moins on bouge, plus après on peut être vu par rapport aux outils des chasseurs, parce qu'en fait les chasseurs bien sûr c'est pas uniquement de la recherche simple, hein. Ils vont avoir des outils pour s'aider, parce que sinon ça va être impossible en 5 minutes. Truc là, à moi, ça permet de faire ça, mon truc, mon pouvoir. Je vais mettre là, je vais camper la porte. Dès que j'envoie un, j'allume. J'ai loupé, ils sont arrivés derrière moi. Après, il y a plein de petits pouvoirs qu'on peut débloquer. Donc moi, j'ai été stratégique, j'ai pris un ballon, bien sûr, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Tiens. Je peux pas me... carrément le cacher là, tu vois. On n'est plus que 3. Un cas déco. On peut jouer avec des bots aussi, on peut lancer bien sûr des parties en line. Donc là je joue avec le son, je ne sais pas, eux ils vont avoir des capteurs, ils vont avoir plein de trucs et tout, ça, c'est sympa.
Là, il leur reste 3 minutes. Moi, je vais essayer d'en tuer un. Alors, j'ai jamais réussi encore à tuer un chasseur en tant que fantôme. En tant que fantôme. Et lui, il m'a vu. Merde, 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 merde. Ah, là, je suis mort. Ah, non, je suis pas mort. Là, je suis mort. Oui. Il m'a aspiré, donc en fait, je peux même plus du tout. Je suis mort. Donc là, maintenant, il reste 2 minutes 50, il reste un seul fantôme. On va le voir sur la map. Il a réussi à tuer un. Il a réussi à tuer un. Il a réussi à tuer un chasseur. Il est où? C'est lui. Il est caché en. Et voilà, j'ai lancé une sorte de freeze en fait. Hein. Là, je pense qu'avec leur détecteur, ils vont pas tarder à le. Alors, ça. Allez, barrez-vous. En fait, si jamais ils le détectent, moi derrière, je mets mon petit freeze pour faut les ralentir. Là, pour l'instant, mon ami, il est en PLS. Ça y est. Oh, merde. Je les ai gelés, mais à mon avis, ouais, il est pris au piège. Ça va être toute la défaite pour nous. Voilà, donc là, les chasseurs ont gagné. On s'est fait pulvériser. Ça nous a fait mal. Faut que je travaille vraiment mes compétences. Après, peut-être que je connais pas encore toutes les combines. Donc voilà, donc on a le fameux tableau Top Hunter. Ça, machin, voilà. Quoi. Le fameux Jean Lassalle qui apparaît. Parce que. Très partisan du jeu, hein. Ça va être plantation puis fantôme très très important. Allez, on va mettre un petit dé. Voilà, maintenant on va passer du côté des chasseurs. On va vous montrer un peu ça, c'est intéressant. Alors là voilà, donc là on a plusieurs armes qu'on peut débloquer. Moi j'ai pas encore trouvé vraiment ma méta. Il y a pompe qui est pas super. Moi, j'aime bien celle-là. Moi j'aime bien prendre le détecteur. Là tu prends un petit écran, on peut voir un peu comment il trace et ça. Et là tout ça. Regardez comme ça. Voilà. Et après à tout moment dans la partie on peut changer son loadout. Vraiment même pendant la game, hein, donc là on a encore 45 secondes pour aller se cacher. On a du monde qui s'est connecté. Voilà, donc là on a un chasseur qui s'est connecté. On peut rejoindre une partie qui a déjà commencé, débuté. Après, on peut créer ses propres serveurs, le pass, jouer entre potes. On peut même, je crois, augmenter un peu la capacité. Je crois qu'on peut monter un peu plus que 4, il semble. Pas sûr de ça. Et après, à l'avenir, donc là, on peut voir aussi les niveaux des joueurs. Bon, moi je suis niveau 7, j'ai pas joué beaucoup, hein. J'ai dû faire peut-être. 10 ou 15 parties 34, 15, 4, 18, 3, 4 et 15, donc voyez, ouais, okay. Tout équilibré, ça va. Et c'est principalement aussi un jeu d'équipe. Il faut jouer beaucoup avec communication, donc il y a des bindés, on peut pinguer, on peut communiquer. Mais on... Hello guys, ghost sighted. Voilà, donc on peut pinguer. Ouais, j'ai un outil. On va voir un peu où ils sont allés. Je suis mort instant. Bon bah voilà, ça aurait été rapide. Hein. On a vu, il y en a un qui campe au spawn. Après, ils peuvent. Avec le défibrillateur. Hein. You can revive me, please. On va voir si. Donc là, vous voyez par terre les traces là. Moi j'ai une sorte de bateau. Je vais chercher. Oui.
l'instant, on galère un petit peu. On est, tous, on est pas forcément tous les nouveaux. Ah, il m'a claqué. Putain, j'en ai eu un. Ah putain. J'en ai eu un deuxième. Putain. Ah mais j'ai encore knack-out. Mais j'en ai... Il ne reste plus qu'un seul. Mais je me suis fait défoncer trois fois. En fait le défi Malta c'est vraiment pas mal. Et en fait si tu... Voilà il en reste un seul. Et si jamais, dans 3 minutes, je vais avoir un truc ici. Il y a un pêche en train de faire. Pas de détecteur, je me demande s'il a pas des... Forget to ping if you find him. Hein. C'est un peu compliqué. À mon avis, il joue bien le mec là qui est là. Ah, j'ai trouvé des plats. Follow me, guys. Follow me, I find him. Bâtard. Il y a des traces de lui là. David est en train de se cacher pour jouer le temps, ce qui est logique. Quoi ? Après, on peut juste faire des touches, des interactions en fait, pour déplacer les objets. En fait, si l'objet se déplace, c'est que c'est pas lui. Moi, j'ai fait quand même 2 kills. Bon, je suis mort 3 fois. C'est une catastrophe. Un super ratio quoi, mais en tout cas c'est un jeu qui est vraiment intéressant et je pense que en équipe c'est encore plus intéressant. Où est-ce qu'il se cache à mon avis? You find him guys? Avec des mecs qui discutent beaucoup. Donc là c'est bien, je vais pouvoir vous montrer en fait la partie où on va se faire... Attends. Ah ça l'est là. Hein. Donc là dans 6 secondes en fait ils vont tous réapparaître et là en fait ils vont vouloir tous nous déglinguer. Donc, la solution c'est de s'isoler quelque part sur un angle assez large. Et là, pendant 4 minutes, en fait, il faut qu'on attende l'extraction des chasseurs et qu'on survive, tout simplement. Tom Fury is a, one is a fake of me. Les mecs sont à moitié AFK. Là voilà, donc, ils ont tué un fantôme, donc moi je suis mort, on prend contre 3. Pour le coup les fantômes ils font mal, hein. Quand ils mettent des petits briques là, ça fait mal. Après je pense qu'il y a des petits à faire. Voilà, 3 contre 2. 3 contre 1, il est tout seul, ça va être la mort et 1. Il n'y aura pas cette mission pour tout le monde. 3 contre 1. Voilà, c'est terminé pour nous.
Donc voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous faire sur un jeu qui est très très bon, très intéressant, on va vraiment à exploiter de plus en plus. Donc voilà, donc je vous invite à vous abonner, mettre un commentaire, aller sur la chaîne Twitch aussi, j'ai fait des petits lives de temps en temps. Merci pour le soutien de la chaîne, j'essaie d'évoluer de plus en plus, mais c'est grâce à vous si jamais j'avance plus de plus. Donc n'hésitez pas à contribuer à l'évolution de la chaîne, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt, peut-être. Ciao, bonsoir.